chef allait à travers ce petit poste, je voulais te signifier à visage découvert toute ma gratitude, toute ma reconnaissance pour le travail magnifique que tu as fait en assurant avec intelligence, avec énergie, avec courage et avec enthousiasme la commission que je vous ai confiée afin que je puisse renforcer ma culture personnelle. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Alors, cette vidéo va être brève, donc reste attentif. Dans cette vidéo, je m'en vais partager avec toi le témoignage de Laurent. Bonjour à toi Valérie. Comme tu le constates, je viens de récupérer mon colis à la poste de Gawa. Je ne commencerai rien sans tout d'abord te dire merci. Voilà un peu le contenu. Le carton, l'enveloppe avec son contenu, la note assez chic que tu m'as adressée. Et c'est avec plaisir que je te donnerai le maximum de ce que je peux pour témoigner qu'il reste encore dans cette Afrique des hommes intègres. Florian Valère en est un. Avec sa chaîne YouTube Argent Livre 237, que je suis régulièrement et avec qui on tire d'énormes informations. En toute sincérité, merci beaucoup pour avoir accepté, sacrifier ton temps pour m'expédier ces livres. Le merci est également très appuyé à cause de cette confiance que tu as manifestée. Regardez bien, je ne m'attendais pas du tout à recevoir de la monnaie. Mais voyez-vous même, tout est clair. L'argent que j'ai envoyé, tout a été dépensé et le reliquat m'a été retourné. Quelle sincérité! Merci beaucoup. Nous allons procéder à l'ouverture du colis en tant que tel. Alors, on commence tout de suite. Guide pour investir de Robert Kiyosaki. Notre cher ami Maxime Victor nous présente son chef-d'œuvre 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. Avaler le crapaud de Brian Tracy. Et celui-là, c'est mon préféré. Autoroute du millionnaire, la voie express vers la richesse de MJ de Marco. Et enfin, Influence et manipulation de Robert Cialdini qui traite de l'art de la persuasion. Donc voyez-vous, tout ça sont des documents qui ont trait à comment se faire de l'argent, comment être influent, comment surtout avoir de l'argent avant l'âge de la retraite. Quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser pour monter un business qui vale de l'or? Et tout ça, couronné par les moyens, tout ce qu'il faut pour investir. Donc ceci étant, chers amis, en ce qui me concerne, je vais me plonger dedans encore. Maîtriser et surtout appliquer les principes qui sont édictés dans ce document, dans ces différents documents. C'est très important. L'essentiel, c'est de ne pas de, c'est pas de les avoir, mais plutôt exploiter le contenu afin de s'améliorer. Mon cher Valère, à travers ce petit poste, je voulais te signifier à visage découvert toute ma gratitude, toute ma reconnaissance pour le travail magnifique que tu as fait en assurant avec intelligence, avec énergie, avec courage et avec enthousiasme la commission que je vous ai confiée afin que je puisse renforcer ma culture personnelle. Ça fait un bout de temps que on se connaît, même si c'est pas physiquement, c'est pas le plus important.
L'important, c'est de partager les mêmes valeurs, les mêmes idéaux pour notre cher continent. Et ça, tu le fais si bien avec ta chaîne YouTube Argent Libre 235, que je salue au passage et que je ne manque pas de suivre à travers la synthèse, le résumé des différents documents, les avis sur les thématiques ayant trait au business, à l'argent, afin que nous puissions éveiller la conscience de nos frères par rapport à certaines mentalités qui fonctionnent comme des freins à main pour notre progression vers l'épanouissement personnel, vers l'épanouissement collectif et vers le développement de l'Afrique tout court. Je ne suis pas spécialiste des médias ni de l'image pour vous faire une très belle vidéo, mais ceci pour vous dire que je suis touché. L'Afrique regorge toujours d'hommes intègres. Sans être un habitant du Burkina Faso, tu es un homme intègre. Donc à travers ma petite voix, je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir de la monnaie, mais tu as fait preuve d'une grande intégrité, d'une franchise hors norme. J'ai été touché par le mot que tu as joint à ces différents documents qui me sont parvenus. Valère, merci beaucoup. C'est très gentil. Tu demeureras pour moi un ami. Et c'est avec plaisir que si toutefois tes chemins te mènent au Burkina Faso, c'est avec plaisir que je te recevrai chez moi afin que nous partagions des moments d'aimabilité, des moments de confraternité, parce que dans la vie, il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur. La relation humaine, la chaleur humaine est aussi importante, sinon plus importante, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas payer avec de l'argent. Donc, bonjour chez toi, bonjour à toute la communauté, merci beaucoup et à la prochaine. Bon, ma personne, si tu as bien écouté le témoignage, Laurent, c'est un Burkinabé qui vit dans la ville de Gawa. Et il y a quelques jours en arrière, il m'avait contacté parce qu'il souhaitait acquérir certains livres qu'on ne retrouve pas sur le continent. Suite à ça, on a échangé sur WhatsApp, je te mets mon numéro là. Et il m'a envoyé l'argent, j'ai acheté les livres pour lui et je les lui ai expédiés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à trouver certains livres sur le continent. Donc, en ce moment, avec mon équipe, on travaille en ce sens-là. On travaille justement pour rendre ces livres-là disponibles dans certains points, dans certains pays. Mais le temps que ça se fasse, eh bien, pour le moment, ce n'est que comme ça qu'on peut travailler. Donc, si jamais il y a des livres que tu souhaites avoir et que tu ne trouves pas sur le continent, envoie-moi juste un message et afin qu'on voit ensemble comment est-ce que je peux me débrouiller avec mon équipe pour te faire parvenir les documents en question. Donc, je profite de cette vidéo pour dire merci à Laurent pour la confiance qu'il m'a accordée parce que ce n'est pas toujours évident. Avant ça, je n'avais jamais discuté avec Laurent. Certes, il me suivait sur les réseaux. Moi, on n'avait jamais échangé. Mais que quelqu'un prenne de son argent, plus de 100 000 francs, qu'il envoie à quelqu'un d'inconnu pour lui acheter des livres et lui expédier à nouveau, franchement, ça demande d'avoir une certaine confiance en l'humain. Donc, pour moi, vraiment, Laurent, c'est un juste retour des choses. Et c'est moi qui te remercie pour la confiance que tu m'as accordée, mais aussi et surtout pour l'intérêt que tu accordes à mon travail. Soit dit en passant, j'ai ces deux livres uniquement pour la diaspora. Le livre de Ricardo Kanyamaki s'intitule « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ?» J'ai pu m'en procurer quelques exemplaires, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et ce livre du docteur Claudien Obissi qui s'intitule « Jeune entrepreneur africain ». Honnêtement, ces deux livres, ce sont des mines. J'en parlerai très bientôt de celui-ci sur la chaîne, donc reste connecté. Et sur ce, ma personne, pour la suite des événements, si tu souhaites acquérir un livre, laisse-moi un message et on verra comment on pourra faire ça. Donc, ma personne, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano.